Cette fois-ci, c'est sur le bassin d'Arcachon que je vous propose de me suivre. Une région qui est située au sud de l'estuaire de la Gironde, une sorte de grande lagune d'environ 150 km² dont la culture est bien distincte de celle de la grande sœur Bordeaux, qui n'est pas très loin d'ici. Alors pendant longtemps, les gens ont vécu quasiment en autarcie avant l'avènement des chemins de fer et puis surtout le développement de l'ostréiculture, puisqu'ici on est sur un bassin très actif de ostréiculture. Mais on ne mange pas que des huîtres, il y a évidemment les produits de la mer, les poissons, les coquillages, mais aussi la chasse, puisque la forêt des Landes est quasiment en bordure du bassin d'Arcachon. Et puis enfin les légumes qui poussent sur les terrains salés et sablonneux. Alors nous, comme d'habitude, on va aller rencontrer ceux qui ont à cœur d'entretenir la mémoire de cette culture et de cette gastronomie à travers quelques produits emblématiques comme la bécasse, la seiche ou les crabes mous, les crabes verts. On va goûter tout ça ensemble, j'espère que ça vous plaira. Et puis de toute façon, vous savez l'adage, venez ici pour déguster vous-même. Situé au sud-ouest de la Gironde, à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, le bassin d'Arcachon est bordé par plus de 80 km de côtes plates ou dunaires, dont la plus haute d'Europe, la célèbre dune du Pilat. Façonné autour de la pêche et de l'ostréiculture, le bassin d'Arcachon a su garder son authenticité, bercé par le rythme des vents et des marées. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis les bottes, pour aller pêcher la seiche avec Didier qui m'a donné rendez-vous ici. Enfin, si j'ai bien compris. Sauf qu'à partir de là, je ne sais pas qui est Didier ni où est Didier. Donc, je vais prendre de la hauteur. Hop. Oh. De toute façon, il n'y a pas grand monde. Hein. Didier! J'ai l'impression que c'est Didier. Quelque chose me dit qu'on tient Didier. Hop! Allons voir. Bonjour Didier. Salut Julie. Qu'est-ce que tu fabriques là? Mais ça va, sauf que toi tu m'as l'air d'être un peu dans la gadoue. Dans la gadoue, oui. Ouais. Même un petit peu. Bon, voilà, tu vois, je ramasse quelques palourdes. Ouais, des couteuils chez nous. Hein. Si tu veux coller au paysage, là, il faut que tu appelles ça couteuil. Hein. Ah bon? Et pourquoi couteuil? C'est des patois du bassin, quoi. La palourde, c'est la couteuil. Et donc ça se ramasse là dans la vase. Alors la vase, on appelle ça la hagne. Ah, bah, encore, ouais. Il va vraiment falloir que j'apprenne à parler, moi. Hein. Ouais. La langue du bassin. Je vais t'emmener un petit peu plus loin pour essayer d'en trouver, mais il va falloir que je t'équipe. Avec les trucs que t'as là? Ouais, des instruments de torture? C'est moyenâgeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça n'a pas changé depuis? Ça t'évite de t'envaser, justement? De m'envaser, voilà. C'est le système des pattes de canard. Je vais t'en attraper, puis je vais te chausser, d'accord? Ah, bah, c'est sympa. Puis alors, quel paysage! C'est magnifique. Tu enfiles ton pied. C'est cher payé, mais au moins on a un homme à ses pieds avec les patins. Hein. Ouais, t'as vu, c'est beau. Hein. Ouais. Alors, tu marches avec les jambes, tu vois, regarde comme je marche. Surtout pas une marche normale, parce que tu vas t'entraver, tu vas tomber. Ah, il y a l'escarpin talon aiguille et il y a le patin pour emballer. Je sais pas trop ce que je vais mettre ce soir, je me tâte. Je sais pas ce que tu vas emballer avec ça, mais bon, tu me suis. Ouais, je te suis. Ouais. Attends, moi je débute en patin. Hein. Ouais. C'est du patinage pas très artistique quand même en ce qui me concerne. Ouais. Hein. Alors, comment elles se trouvent les couteuils? Il y a des trous où quelquefois avec la marée, elle remonte en surface. Et toi, là par exemple, là tu as des coquillages qui sont remontés. Tu vois, tu en as un ici, là, regarde. Tu le vois? Là, regarde. Ouais, ça en est un. Ça en est un, c'est bon. Voilà, ça c'est bien. À quoi je vois s'il est bon? C'est quand il est double et qu'il est fermé, quoi. Quelquefois ils sont fermés, mais ils sont pleins de vases. Mais quand tu les sonnes, ils sonnent pleins. Celui-là, il est bon. C'est bon, d'accord. Là, j'en ai un autre. Voilà, tu en as un autre là. Non, ça c'est pas bon. Alors là, il y en a deux. Voilà, il y en a deux ensemble, tu vois. Voilà. Non, ça c'est pas bon. Là, tu en as un. Tu en as un derrière toi. Ah oui. Je patine. C'est le cas de le dire. Oh, dis donc. Alors, je suis bien dedans, là. Hein. Ouais, là, regarde. Non, ça, c'est pas bon. Oh non, tout ça pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Une pasta Pas une pasta du tout. On va aller déguster ça avec du beurre, hein, naturellement, ouvert, comme ça. Et alors, la sèche? Eh bien, la sèche, là... Moi, tu m'as promis la sèche aussi. Mais on va y aller, là. Mon bateau est au chenal. Et on va aller relever un ou deux filets, là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et on va se faire un vrai déjeuner du bassin. Un vrai déjeuner du bassin. Tiens, regarde, je suis garée là. Oh. Petite Micheline. Jolie voiture. Eh, ça, c'est original. Hein. Tiens, on va mettre tes patins ici. Ouais. Voilà, et puis... alors, les portes ne s'ouvrent pas. Faut sauter dedans d'un coup. Je suis trop âgé pour faire ça. Allez, vas-y. On te la fait pas, toi, hein? So it's only fair when it's hard to bear, and you ask if I try. Alors Didier, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Avant d'embarquer, nous retrouvons Michel, un ami de Didier qui va nous aider à remonter les filets pour la pêche au sèche. Bonjour. On met un petit filet là. Ouais. Là, ça, voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon. Pour rejoindre le site de pêche, nous contournons l'île aux oiseaux, une bande de terre au centre du bassin qui passe de 5 km² à marée haute à 16 km² à marée basse. Difficile d'accès, elle est ceinturée de parcs à huîtres d'où émergent de drôles de cabanes, les cabanes tchanquées. Ce jour-là, il y a du monde dessus et Didier me propose de débarquer. Hop. Oups. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un bel endroit, dis donc. Alors vous en êtes le propriétaire de cette cabane? Pas du tout. Non. Moi, je suis le garde gestionnaire. D'accord. Et alors, cette cabane tchanquée, comme vous dites? Oui, voilà, sur pilotis. Les pilotis, c'est ce qu'on appelle les tchanques. Voilà, en fait, ce sont les échasses. Tchanque, c'est les chasses en patois. Ah oui, comme les échasses des bergers. Pareil, exactement. Pour surveiller. Voilà, pour surveiller les moutons. Et... Construites en 1883, les cabanes tchanquées permettaient à l'origine aux ostréiculteurs de Napoléon III de surveiller les parcs impériaux. Aujourd'hui inhabitées, elles peuvent néanmoins être affectées à des particuliers de manière temporaire tous les 7 ans. C'est un loto ? Alors au départ, c'était les gens qui étaient venus les premiers pour exploiter l'ostréiculture. Et puis maintenant, on a une commission consultative d'attribution. Donc c'est pas du tout une loterie, qui consiste à redonner ces cabanes en toute équité. Donc en fait on postule, voilà, et on aura éventuellement une chance si on correspond au profil, c'est ça, il faut chercher à valoriser l'environnement. Ah, voilà, il faut venir avec la culture. Voilà, des connaissances et surtout savoir ce que vous voulez faire sur cette île. Vous me montrez un peu la cabane? Allez, vous me la faites visiter? Vous m'attendez là les garçons? Vous connaissez la maison quoi? Oui, oui. Vous êtes blasés vous hein? Ouais. En plein milieu du bassin, ces cabanes sont de véritables postes stratégiques pour observer la faune et la flore locale. Lors de notre arrivée, Philippe était d'ailleurs en plein comptage animalier. Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur les limicoles. Les limicoles? Les limicoles, ce sont de tout petits oiseaux, donc on varie entre 7 à 8 cm et 35 cm. D'accord, voilà. Et donc vous êtes là pour les recenser? On est là pour faire un suivi tout au long de l'année, voir à peu près comment ils évoluent. Donc on fait des comptages réguliers qui nous permettent de voir la population, comment elle se déplace. Voilà, avec ça, exactement. Vous pouvez y aller, elle doit être réglée. Pressé par la marée, il est temps pour nous de repartir. Au revoir. Salut. Incroyable ces cabanes, hein? Ah, c'est joli, très typique. C'est bon, Michel, tu l'as là? Ouais, c'est bon. À quelques encablures de là, nous arrivons sur le filet de Didier. Mais les fortes pluies des dernières semaines et le mauvais temps inquiètent notre pêcheur. Oh là, il n'y a pas de poisson, c'est infernal. Il n'y a pas de poisson? T'es déçu? Ouais. Ah, il y a du crabe, hein? Ouais. Voilà une. Ah, bien. Et on a récolté tout un tas de trucs, c'est pas trop de la sèche, mais il y a du coquillage, il y a du petit poisson, il y a du crabe. Bon, c'est pas une grosse pêche, mais on a ce qu'il nous faut. Non, il y a ce qu'il faut pour déguster. Voilà. Bon, on n'a pas une grosse pêche, hein. Non, mais on a ce qu'il faut juste pour goûter, quoi. Voilà. Et là, on va aller voir un ami qui habite sur la plage. Il va nous faire une sèche au poivron. Vous allez m'en dire des nouvelles. Oh là là, quel service. Ah, ça me plaît. C'est bon, c'était tout petit kilos, quand même. Là, il faut que tu partes, Michel, il va lâcher. Il y en a un qui est beaucoup plus haut que l'autre. Vous avez pêché un gros. Vous avez pêché un gros calamar. Hein. Merci les garçons. C'est physique la pêche. Hein. Michel occupé à démailler les filets, et pour le coup il y a du boulot, c'est avec Didier que je rejoins Philippe. Bordelais d'origine, cet amoureux du bassin passe sa vie à le peindre, mais aussi à cuisiner ses produits. Il va me faire découvrir la sèche au poivron et à l'ail. Bonjour Philippe. Voilà. Bonjour. Le roi de la sèche. Oui, mais on va pas se faire une indigestion. Bonjour Philippe. Non, là c'est vrai que c'est une pêche modeste, mais bon, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Je prends les sèches parce que vous allez être là, toutes noires. C'est déjà fait, hein, mais bon. Et ça tient, vous verrez. Ouais, c'est vrai, ça fera un souvenir. C'est de l'encre de Chine. Et les couteuils aussi, on va se les faire en apéro. Oh, les couteuils. Ah oui, les couteuils en apéro, c'est vraiment ça, extraordinaire. Du pain, du beurre, c'est tout, hein. Et un petit merlot. Allez, on va faire comme ça. Alors ça, c'est ta cuisine ? D'été. Cuisine d'extérieur. Parce que ça me permet de surveiller les gens à table. Et ça va, c'est pas trop dur la vie ? Ça se passe bien. Philippe habite cette maison depuis 73 ans, un ancien garage à bateaux de 30 mètres de long et 3 mètres de large, posé sur la plage. Équipés de tabliers, nous nous attaquons au nettoyage de la sèche. On enlève les longues tentacules. Il paraît que les longues tentacules, ce sont les organes reproducteurs ? C'est ça. Ah oui. Absolument. Et pourquoi tu les gardes pas ? Moi, je les garde toujours. C'est filandreux, c'est pas délicieux, ah bon, non, pas d'intérêt. D'accord. L'encre, tu ne la gardes pas ? Non, parce que pour cette recette-là, on la garde pour faire le calamar au noir. Oui, c'est ça. Pour faire... non, ou tandis un risotto, ou des pâtes. Voilà. Si la recette de Philippe est ancestrale dans la région, elle s'est adaptée aux produits que l'on ne consomme que depuis quelques dizaines d'années. On ne mange les sèches dans le bassin que depuis 40-50 ans. Avant, on ne mangeait que les enfants sèches. Les enfants, que les tout petits, qu'on faisait sauter entiers, quoi. Voilà. Ce sont les pieds noirs, quand ils sont arrivés, ouais, qui, eux, mangeaient ça, parce que c'était des Méditerranéens, ouais, et les Espagnols qui en mettaient à la paella. Donc, voilà, en fait, tu gardes les tentacules. Les tentacules, voilà. La poche, là, ça ? Comment on appelle ça ? Le ventre. Le ventre, mais tu coupes la tête. Ah oui. Je vais rincer cette première partie. D'accord. Voilà. Et moi, je m'occupe des poivrons, tiens. D'accord. Ah ben ça, c'est une idée. Une fois la sèche préparée, il faut émincer les poivrons et peler l'ail. Et pour ça, Philippe a une technique bien à lui. Qu'est-ce que c'est cet ustensile bizarre, là ? Pour peler l'ail. Non. C'est fait pour ou c'est toi qui as détourné un objet ? Je connaissais pas. Et alors, qu'est-ce qui t'a appris à faire la cuisine, toi ? La nécessité. La faim. Il y a un peu de gourmandise quand même. Non, mais c'est la gourmandise avant toute chose. Tu mets un paquet d'ail, hein. Pour 2 poivrons, tu mets quoi? Une tête d'ail entière? Une tête d'ail. Donc il y a 3 produits, la sèche, l'ail, c'est tout, et le poivron. De l'huile et du piment d'Espelette. Ah, évidemment, le piment d'Espelette. Et poivron toujours rouge? Autrefois, on le faisait avec d'autres poivrons, mais enfin, c'est un peu personnel. Je trouve que c'est plus sucré, c'est plus doux. Ah, oui, moins d'amertume. Le vert, bon, j'ai pas une passion. Un peu d'huile. Les poivrons et l'ail coupés, Philippe fait cuire la sèche avec une pincée de piment d'Espelette dans de l'huile froide. C'est-à-dire qu'il faut démarrer la cuisson dans la poêle froide. Voilà. Et elles vont tout cracher. Et à un moment donné, je vais tout jeter et ne garder que les poissons. Et remettre l'huile. Et comme ça, elles sont tendres, très tendres. Sinon, elles sont dures. Je pensais qu'au contraire, il fallait les saisir à feu vif. Et justement, on en a cru très longtemps. Et en fait, non. Et alors, les Marseillais ont d'autres méthodes. Ils les font... Ils mettent des bouchons, ça n'a jamais marché. Des bouchons de liège ? Oui, des bouchons de liège. Dans le plat ? Dans le plat, ils pensent que ça marche. Bon. C'est des légendes de grand-mère, ça. Ouais, mais c'est bien d'ailleurs. Et les poivrons, tu vas les faire chauffer ? Les poivrons, par contre, je fais chauffer un peu. Donc tu fais pas cuire ensemble, hein ? Ah non. Là, en revanche, tu mets les poivrons dans l'huile chaude. Ah oui. Au bout de 20 minutes, on vide l'huile et l'eau de la sèche et l'on mélange avec les poivrons et l'ail. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je m'installerai bien sur la terrasse, non ? C'est une très bonne idée, tu vois, ça m'attire. Pour la recette de la sèche au poivron et à l'ail de Philippe, voilà ce qu'il vous faut pêcher au marché. 2 sèches, 2 poivrons rouges, une tête d'ail, de l'huile d'olive, du gros sel, du poivre et du piment d'Espelette. Je mets ça là-dedans, les poivrons. On mélange. Voilà. On remue. Allez, on laisse compoter. Pendant la cuisson, il me fait découvrir ses aquarelles. Très inspiré du bassin, mais pas seulement. De la nourriture, il n'y en a pas que dans les casseroles, hein, chez toi, tiens. J'ai du crabe qui est défait. Ah, les oignons rouges et les échalotes. C'est vrai, ça t'inspire la cuisine ? Ça m'inspire énormément. À ce sujet, j'avais fait un livre de cuisine, justement. Ah, ça c'est bon, ça. C'est drôle. Voilà. Ah, ça c'est Chemin de Compostelle. Ah oui, parce que j'ai vu que c'était ça passait par là. Voilà, c'est ça. Du Chemin de Compostelle, enfin une route de Compostelle. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Jeunes sardines sur la tombe de leurs parents. C'est très triste peut-être, mais... Fallait le trouver. C'est la Toussaint. Ah, c'est très drôle. Il est maintenant temps de déguster. Comme d'habitude, la table de Philippe n'est jamais vide. Bonjour. Bonjour. Ah, je présente ma femme que la faim a fait jaillir de la maison. Bonjour Marie. Qui avait un creux qui se voit pas, mais qui est énorme. Alors. Et pour une fois qu'une femme met les pieds sous la table, moi ça me plaît. Ici, on peut les mettre en J'ai compris quoi, tu avais un chef. Je ne reste pas toujours à la cuisine. Quelques petites palourdes ? Mais, bah oui, mais il faut peut-être qu'on les cuise. Non, non, ça se mange cru avec du pain et du beurre. Cru avec du pain et du beurre. Mais alors du coup, comment tu fais pour les ouvrir? Tu mets le couteau quand elles sont ouvertes et après tu les décolles comme des huîtres, c'est ça? Tu mets ton couteau sous le pied. Exactement, tu les décolles, tu manges ça avec un peu de pain et de beurre. C'est bon, bah, finalement on mange les huîtres crues, pourquoi pas hein. Absolument. Bon, félicitations aux pêcheurs. Eh ouais, c'était pas rien hein, quand même. Ah mais Julie a été très bonne, elle a appris très vite. Ouais. Très douée pour la coutume. Ah, attention. On va passer aux choses sérieuses. Voilà le tableau de maître. Est-ce que je te sers? Eh bien avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Allez, Didier, c'est ça. Donc toi, Marie, c'est un plat que tu manges souvent. Est-ce que c'est une des spécialités de Philippe? C'est une des spécialités de Philippe et je lui réclame quand je pars régulièrement. Tu sais, j'aime bien cette cuisine qui est faite en simplicité. 3 ingrédients, difficile de faire moins. C'est rien de simple. Mais parce qu'elle est tendre, ta sèche. Ah, tu vois le secret? Incroyable. Voilà. Oui. Voilà. Et moi, je démarrais toujours ma cuisson à vif parce qu'on me disait il faut la saisir. Ah non, surtout, surtout pas. C'est bon. C'est bon, hein? C'est confit. Et tu as effectivement le côté presque sucré-salé. Mais tu vois, j'aurais jamais osé jeter le jus en me disant c'est là que sont les sucres, c'est là qu'est le goût. Et oui, voilà. Et en fait, non. Et en fait, non, c'est pas le meilleur que l'on jette. Et alors, tu repars demain à la pêche aussi, Didier? Oui, on va reposer les filets ce soir. Ah oui, tous les jours? Oui, oui. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que demain, si par hasard tu as des sèches et si par hasard Philippe est disposé à nous refaire son plat sublime, j'ai gagné. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle et vous êtes gagnant aussi puisque vous avez gagné le droit de déjeuner avec nous. On sera du côté du Mimbeau là-bas. Ouais. Ça vous tente? Oui, oui. Et à mon avis, tu vas croiser quelques copains en plus avec quelques bons produits. Je trouve que ce qui fait le charme du bassin d'Arcachon, c'est d'être aussi proche de la mer et en même temps d'être dans la forêt des Landes. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1850 à peu près, il n'y avait pas de forêt. En réalité, la forêt des Landes est une forêt qu'on pourrait appeler artificielle, puisqu'elle a été entièrement plantée à l'initiative de Napoléon III. Au départ, c'était des terrains marécageux qui étaient inexploitables et inconstructibles. Et du coup, ben, ça a apporté de la vie, les gens se sont installés, on a eu du bois pour construire les maisons, ça a enrichi la région et également ça a développé évidemment le tourisme et ça a permis à Arcachon et au bassin d'Arcachon d'être un des sites touristiques les plus prisés, on pourrait dire, en France. Au-delà du tourisme, cette forêt regorge aussi d'animaux et c'est un endroit très apprécié par les chasseurs. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux, Joël. Il m'attend dans sa cabane pour me faire découvrir une recette très ancienne et très locale, la bécasse à la ficelle. Quel endroit! Ah, n'est-ce pas? Le paradis! Croire un décor de film! Ah oui, tout à fait. Bonjour, Julie. C'est génial, cet endroit. Et alors, cette cabane, elle t'appartient? Alors, nous sommes une amicale de copains. J'ai le petit privilège d'avoir cet endroit à moi, dans les 1000 hectares sur lesquels nous sommes les 22 amis. 22 amis, voilà. C'est ça, qui se partagent les 1000 hectares? Les 1000 hectares, ah, voilà. Vous êtes peinards. Mais vous louez, vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaire. L'autre nom de la bécasse, c'est la reine des bois. Ouais. Tout d'abord parce que bon, c'est un oiseau magnifique et qui demande du respect. Tous les chasseurs de bécasse, et on s'en maintient là, c'est là où il n'y a pas d'abus, quoi, parce qu'on respecte cet oiseau. Ah oui. C'est vrai que ça paraît paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas du sérail, que tu aies visiblement autant d'intérêt pour l'animal et autant de respect alors que vous les tuez. Moi, je pense que dans les années à venir, je vais arrêter la chasse à la bécasse, je n'irai que pour le plaisir et j'irai sans fusil. Ah, voilà. Avec un appareil photo, alors, chasseur d'images. Complètement. C'est vrai, parce que plus tu chasses, plus tu aimes l'animal, finalement. Ben oui, et puis quand on voit un bel oiseau comme ça, on se dit, voilà, c'est dommage d'abattre un tel animal. Mais tu le fais aussi, quoi, par tradition, par... La tradition, les amis qui... c'est ça, qui attendent la bécasse. Évidemment, quand on les travaille donc, à la cheminée, c'est un vrai régal, c'est une rencontre avec les gens. Chasseur par tradition familiale, Joël est un jeune retraité qui passe son temps à cuisiner et à observer la nature. Ici, il me montre la plume autrefois utilisée pour écrire. Autrefois, il laissait faisander ce gibier. C'est-à-dire que tu pendais la bécasse à la poutre. Je connais ça. Et quand le corps se détachait de la tête, il était soi-disant moins allongé. Absolument, tu as été bien renseigné. Mais c'est fort, hein. Alors voilà. Alors aujourd'hui, moi, mes bécasses, elles passent 2-3 jours de chambre froide, de frigo. D'accord. Et après, je les bloque donc, pour les manger le jour J. Alors, en revanche, petite précision, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment comme moi, comme nous, le gibier, on ne peut pas la trouver ni dans les, chez les volaillers, ni dans les restaurants. Absolument pas. C'est interdit, absolument interdit à la vente, même en restauration. Pour éviter qu'on en fasse commerce et que donc on les tire trop. Voilà. Au-delà des quotas. Oui, moi, si tu veux, j'offre une bécasse. On ne vend pas une bécasse, ça s'offre. Oui, bien sûr. Mais c'est un cadeau exceptionnel. C'est un cadeau royal. Voilà. Merci, Joël. Voilà, donc... Joël commence sa recette par la cuisson des oiseaux. Les bécasses rôtissent à la verticale, au-dessus du barbecue. C'est vraiment une recette, comment dire, primitive. Hein. Ah, complètement. Parce qu'on pouvait la faire de la même façon il y a 1000 ans ou 2000 ans. Quand ma grand-mère mettait les bécasses à la cheminée, parce qu'il y avait que la cheminée, il n'y avait pas d'autre chauffage. Et donc là, elle va cuire... Gentiment. Voilà, il va falloir une bonne trentaine de minutes, suivant les braises que tu as fait. 30 minutes qui vont nous servir à préparer ce que Joël appelle les rôtis. Mais avant cela, il me propose de prendre un peu de hauteur. Allez, voilà, c'est parti. À 16 mètres du sol, à la cime des pins, ce pylône sert à chasser. Non pas les bécasses qui vivent au sol, mais les grives. La chasse étant fermée, c'est aussi un excellent point de vue. Tout va bien? T'es aussi perché que les oiseaux, toi, là-dedans. N'est-ce pas? Tout va bien. Voilà. Wouhou! La grive rase les arbres et c'est quand elle arrive là qu'on la tire au fusil. Donc là, t'es planqué pour ça? Voilà, je suis planqué. Camouflage. Et puis j'attends dès qu'elles arrivent. D'accord. Voilà. Et tu restes combien de temps là-dedans? Alors ça peut, alors tout dépend des passages, je peux rester 3 heures de temps. Ah quand même? Voilà, parce que les grives ne passent pas tous les jours. D'accord. Il y a des jours où tu es là en haut, tu attends et tu ne vois rien. Et ce pylône, c'est toi qui l'as construit? Oui, tout à fait. Ah bon? Ouais. De tes petites mains? De mes petites mains, voilà. Et bon, je me suis fait aider parce qu'en fait, ce côté amical chasseur, on a besoin d'un coup de main, d'un bout de brande. Vous êtes solidaire. Absolument. Allez, on y va, on descend? Pas de souci. C'est pas le plus simple, hein. Retour au sol où nos bécasses continuent de tourner. Joël va les nourrir avec du gras de jambon à l'aide d'un drôle d'engin, un capucin. Ce que tu appelles le capucin, c'est une sorte de cône, quoi. Voilà, un cône. Ça, c'est vieux comme le monde aussi. Absolument, hein. Qui a été forgé par des amis. Tu arroses donc tes animaux avec ça. Et là, maintenant, nous allons mettre notre rôti à griller. Notre rôti, tu fais quoi, un rôti de bœuf? Non, absolument pas, la tartine de pain. Ah, c'est ça que tu appelles un rôti? Voilà. Une rôti? Voilà. Alors attends, je vais les chercher, bouge pas. On va piquer à la fourchette, comme on faisait à la maison, à la campagne. Ouais. Et là, nos rôtis vont se faire tout seuls. Avant de décrocher ces oiseaux, Joël aura pris soin de mettre à cuire des carottes, de l'oignon, du céleri branche et quelques échalotes dans de la graisse de canard pour faire un fond de sauce. Et quelques cèpes pour la garniture. On va s'occuper de récupérer les entrailles et de les lever. Regarde comme c'est beau. Attends, je remue ça parce que... Ah, heureusement que tu es là finalement, Julie, tu vois. Tu n'attendais que moi dans ta cabane. La seule personne féminine qui vient cuisiner à la cabane. Oui, c'est une planque en fait, hein, c'est ta garçonnière. Voilà un petit peu. Et ta femme, elle te croit quand tu lui dis que tu vas dans ta cabane chasser la bécasse parce que ça peut les prêter à confusion quand même. Hein. Oui, mais il y a quand même des moments où je l'invite et on passe de bons moments. Et puis, l'avantage surtout, c'est que quand tu rentres à la maison, si tu sens pas le graillon, c'est que tu n'étais pas tout à fait dans ta cabane. Aussi, on va dire ça comme ça. Relève ici le petit blanc. On lève ensuite les filets et les cuisses des bécasses avant de récupérer les abats. On récupère donc le reste des entrailles. Tu vois, je hache complètement mes abats. Les abats. La tête, justement, voilà. Oh, non mais c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est hyper bon, la petite cervelle, là, regarde. Et moi, Julie, les légumes au fait, c'est moi qui les tourne ou bien? Oui, les légumes. Non, mais je suis un peu... tu sais, ça me perturbe, là, quand même, ce que tu fais. Pour son fond, Joël rajoutera à ses légumes les carcasses des oiseaux et un peu de crème avant de passer le tout au chinois. Quant aux abats, pour donner un peu plus de matière et de goût, nous rajouterons un morceau de foie gras, de la persillade et un trait d'armagnac avant de cuire le tout à feu vif. Alors, nous voilà partis, donc, Julie, sur les petites tartines, donc, je m'en occupe. Notre fameux rôti. Sur ton rôti, je pose un premier blanc. Le deuxième, c'est bon, il y en a assez, non mais pas trop. Ouais, que ça fasse, qu'on voit la sauce autour. Léger. Donc je vais mettre mes petites cuisses. Alors maintenant, Julie, on va mettre le feu à la cabane. Ok, salut Joël. Voilà, au revoir Julie. Et voilà, nous allons flamber la bécasse. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et la cuisine des bois a bien changé, hein. Le final, Julie. Voilà, la petite sauce qui va aller là-dessus. Et voilà. Eh ben, là tu m'as bluffé, hein. Pour les bécasses à la ficelle de Joël, il faudra vous procurer 2 bécasses chez des amis chasseurs. Et pour la sauce, une carotte, du céleri branche, un oignon, une échalote, un bouquet garni, 20 centilitres de crème fraîche, 100 g de foie gras, 10 centilitres d'armagnac, du pain de campagne, de l'ail, du persil, sans oublier quelques cèpes. Je vais te faire découvrir un sauterne sur de la bécasse. Bah, en même temps, il y a du foie gras dans la recette, donc pourquoi pas? Mais tu vas voir que le côté de douceur de sauce qui a été terminé de la crème ramène à aller sur un sauterne. Je te souhaite un bon appétit. Eh bien, écoute, moi aussi. Et surtout, je te remercie parce que tu m'as vraiment offert un repas de roi. Et en plus, j'ai pas eu à tuer la bécasse, donc tout va bien. Voilà. Mmh, c'est vraiment bon. Et surtout, ta cuisson est parfaite. Parce que c'est vrai que c'est une chair qui a quand même vraiment du goût. Mmh. Sur le petit cèpe de Bordeaux, quand même, on est bien aussi, hein. La forêt regorge des mystères et des secrets gastronomiques. Ah, voilà. Et dis-moi, des bécasses, entre nous, t'en as encore d'autres au congélateur? Quelques-unes. Quelques-unes? Oui. Tu pourrais nourrir quelques bons copains? Ah bien sûr, évidemment. Ah bah écoute, moi je te propose un troc de bonnes recettes, de bons moments. Et on va faire ça à la cabane du Mimbeau, tu connais? Oui, tout à fait. Bon, bah alors t'auras pas de mal à trouver ton chemin. Bien. Et on se retrouve là-bas demain avec des copains? Y a pas de problème. Écoute, c'est gentil. Ouais, je continue parce que c'est vraiment bon. I'll be sitting at the evening pond, watching the ships roll. Le soir tombait de tout son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. J'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Ce matin, j'ai eu envie de découvrir ce petit village qui s'appelle L'Herbe. En fait, le bassin est bordé d'une sorte de chapelet de petits villages ostréicoles, dont celui-ci, qui est peut-être le plus original et le plus authentique à la fois. Il est caractérisé par ses maisons aux couleurs très vives, et ça vaut vraiment le coup de se balader dans les ruelles et de se perdre un petit peu, avant de déguster des huîtres, évidemment. Situé sur la presqu'île du Cap Ferret, L'Herbe fait partie des 83 villages ostréicoles que compte le bassin. Apprécié pour son authenticité, le village a su conserver ses traditions avec ses ruelles étroites qui mènent pour la plupart à la plage. Ce qui me surprend toujours, c'est que les villages soient construits sur le sable. Et d'ailleurs, en guise de pavé ou de goudron, bah on a du sable dans les rues. Mais que l'on ne s'y trompe pas, même si l'endroit est propice à la flânerie, les hommes travaillent ici sans relâche à la culture de l'huître. Alors ces huîtres, je vous propose d'aller percer les secrets de ce produit d'exception dont nous sommes par ailleurs les premiers consommateurs au monde, quasiment les premiers producteurs et qui fait évidemment la réputation du bassin d'Arcachon. On va rencontrer l'un des 350 ostréiculteurs du bassin et pas des moindres. Allez, je vous le dis, c'est un bon copain, mais je pense que vous le connaissez aussi. C'est avec Joël que j'ai rendez-vous. Ostréiculteur depuis 6 générations, Joël est également très connu depuis sa prestation émouvante dans le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Comment tu vas? Ça va mon Joël? De voir, c'est un rayon de soleil. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue sur le bassin d'Arcachon. Merci. Qu'est-ce que c'est beau chez toi? Eh bien, très bien, on va voir. Allez, tu m'amènes en bateau? Ouais, on va aller regarder les petites huîtres avant d'aller en déguster quelques-unes un petit peu plus loin. Alors, c'est quoi ton bateau? C'est celui-là, là. C'est le petit bateau. Moi, ça, c'est les bateaux typiques des ostréiculteurs. Ouais, c'est ce qu'on appelle les chalands. Et ben voilà. En route. Allez. Et on va aller sur un parc qui est juste à la sortie. Et donc ça, tu fais ça régulièrement? Tous les jours. Tous les jours? Ben, tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend des ventes que l'on a. Selon les commandes? On replace les petites en place, qui poussent, ce qu'on va voir, et puis on les ressort, on les trie. En fait, là, on va dans ton potager? Oui, exactement, dans une des réserves. Vous êtes plusieurs ostréiculteurs à vous partager l'endroit? Voilà, en fait, chaque ostréiculteur a un bout de terrain qu'il loue à l'État, qui sont des concessions maritimes, Et chaque parc a ses spécificités qui ne sont pas, même sur un même endroit, sur un même espace, on n'a pas forcément les mêmes caractéristiques de produits. Alors là, qu'est-ce que tu sors? Ça, c'est une poche de 30 mois. 30 mois, celle-là ont 30 mois. Voilà, tu vois, ces huiles qu'on a mis à l'élevage il n'y a pas très longtemps. Elles sont pas très grosses, hein? Non, c'est des petites, justement. C'est-à-dire les jeunes huîtres, quand une huître naît, c'est gros comme le quart d'un ongle. Ah oui? Mais comment ça naît une huître? Alors les huîtres, dès qu'il y a un pic de température, un choc thermique, les femelles pondent. D'accord. Et donc les femelles lâchent des filaments dans l'eau qui partent au gré du courant. Et dès que les mâles... Il n'y a pas de contact? Il n'y a pas de contact. Et dès que le mâle, par le stimulus sûrement des femelles, à un moment se met à claquer, mais vraiment il claque de la coquille, et il envoie des nuages de lait. Ah oui. Dans l'eau. Et ensuite, les larves se fécondent dans le milieu. Donc, donc tu ne peux pas choisir le père de ton enfant? Non, pas vraiment. C'est une espèce de fiesta géante. Sur les 20 à 100 millions d'ovules pondus par une huître femelle, seuls 3 à 4 deviendront adultes. Pour les ostréiculteurs du bassin, c'est un travail titanesque qui commence. Les larves sont captées après la ponte sur des collecteurs où elles resteront accrochées 18 mois. Ce n'est qu'à cet âge que les ostréiculteurs transportent ces jeunes huîtres jusqu'au parc d'élevage où elles sont déposées dans des poches. Et elles grandissent dans les poches? Et elles commencent à grandir dans ces poches de 2 mm. Et quand elles ont pris une certaine taille, tu les changes de poche. Exactement. Donc tout notre travail à nous en permanence, jusqu'à 2 ans et demi, c'est vraiment de, dès qu'une poche est arrivée un peu à taille mature, on la prend, on la tamise et on la remet dans des poches, les plus grosses en poches plus grosses et les plus petites, enfin on les laisse, on les remet dans les mêmes poches. Et donc on a des poches de 2 mm, 4 mm. C'est pas mal, effectivement, il y a pire. Donc là, tu les remets dans l'eau et tu vas revenir à marée basse pour les tourner. Voilà. Plus de 3 ans sont nécessaires pour faire grossir une huître. Voilà, débarquement avant casse-croûte. Véritable artisan de la mer, Joël exerce avec passion ce travail de longue haleine. Bon, maintenant, on va les manger un peu, non? Ah, ben ça me rassure. Ah, je me demandais à quel moment il va me faire goûter ces huîtres. Un casse-croûte local, je te fais. Attends, je vais te faire d'abord la courte échelle. Pourquoi? Parce qu'on passe là, tu t'installes à la table et moi je vais chercher quelques huîtres de quoi se sustenter. Et à la mode du bassin, l'huître se déguste fraîche, accompagnée d'ingrédients parfois surprenants. Alors là, je te fais le truc le plus facile, c'est ouvrir le pâté. Le pâté, quel rapport entre le pâté et les huîtres? Mais parce que, je sais pas, je pense que les huîtres, ça ne devait pas nourrir. Ah bon? Et donc, comme dans tous les endroits avant les gens élevaient du cochon, donc avec les huîtres, on mange des saucisses, des crépinettes, du pâté, tu peux manger du jambon. Tout ce qui est charcuterie se marie merveilleusement bien avec les huîtres. Attends, tu sais quoi, je viens avec toi. Parce que ça, faut voir. Faut le voir pour le croire. Alors, vas-y, monte. Alors, il faut jamais forcer comme ça. Parce que si tu forces comme ça... Ça finit dans la main. Si tu rates, tu te transverses la main. Donc, tu suis la bordure ici. D'accord. Et au niveau du 2/3 supérieur ici, tu rentres ton couteau tout doucement. Et là, tu vois, là, il est rentré. C'est fini, elle est ouverte. D'accord. Alors fais gaffe, ton doigt beaucoup plus. Ah, beaucoup plus proche. Beaucoup plus comme ça, voilà. Je crois qu'elle m'a vu venir, elle s'est refermée. Hein. Il fallait la prendre par surprise peut-être. Ouais, il faut descendre peut-être un peu. Ah, ça y est. Voilà. Je crois que je suis dedans. Là, une fois que ça rentre, d'un seul coup, tu sens que ça rentre. Ouais. Voilà. Et je coupe. Là, ça y est, je pense qu'elle est bonne. Ouais. Et voilà. T'imagines quand même, moi qui ai beaucoup voyagé, souvent on me dit comment vous faites pour manger des choses aussi étranges dans les pays étrangers, mais c'est étrange aussi de manger un coquillage cru. Un des principaux blocages des gens qui n'aiment pas les huîtres, c'est le phénomène de penser qu'ils mangent un coquillage cru. Vivant. J'osais pas le dire. 2, la texture est très particulière. Il y a beaucoup de gens que ça rebute. Et quand on leur fait goûter les huîtres, ils virent leur cutie. Ce qui est sûr, c'est que ça se mange entier une huître, hein, ça se coupe pas dans la coquille. Une fois qu'on l'a dans la bouche, ça se mâche, une huître. Ah, ça se croque, quoi. Ça se croque. Quand elles sont bonnes, ça se croque. C'est comme si on mangeait un bout de viande et qu'on l'avalait. Tu veux dire que ça ne s'avale pas d'un coup? Les gens, très souvent, les gobent. Sauf que quand on gobe, on a une sensation de fraîcheur, on a un peu une sensation de sel, peut-être de l'iode, si on a beaucoup d'imagination, mais on passe à côté du produit. Ça on n'est pas dans le produit. On y va? On goûte avec le pâté? Vas-y, attaque. Du pique-nique. Oui, c'est autre chose. Ouais. T'as raison. Ça relève le côté iodé, comme le sel dans la pâtisserie. Puisqu'il t'en reste quelques-unes, tu nous en apporterais pas au banquet? Ah, mais avec grand plaisir, oui, que je ramène au banquet, mais bien sûr. Eh ben, tu viens avec les huîtres, tu viens avec ta femme aussi. Mais ça marche, mais j'amène les deux. Tiens, voilà. Le meilleur. Bon, ben, le meilleur de chez Dupuche. Exactement. Le bassin est sans rival au monde. Quand on le voit, on oublie ses chagrins. Tiens, maintenant, je vais vous emmener visiter un endroit où on tisse les filets de pêche. Et oui, c'est assez rare, figurez-vous, puisqu'aujourd'hui, la plupart des filets sont fabriqués industriellement. Mais il reste ici une entreprise qui est plus que centenaire et qui les fabrique encore à la main. C'est Didier qui m'a conseillé d'aller les voir, parce qu'en plus, on peut assister au tissage. C'est pas très loin d'ici, c'est à Arès. Unfamiliar road, and although this wave is stringing us along. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais absolument visiter votre atelier parce qu'il est célèbre dans la région quand même, et puis je voulais voir comment se fabrique un filet. Bien, si vous le voulez bien, je vais vous amener pour voir en détail comment se fabrique un filet de pêche. Et ils se fabriquent vraiment ici ou c'est juste de la démonstration? Non, 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 ils sont tous tissés à la main, à l'unité, sur mesure. Ici, dans les ateliers devant vous. Sur mesure. Ah oui, alors allons-y. Donc la spécificité de l'atelier de montage, c'est que nous travaillons sur des grandes longueurs. Je vois ça. Comme vous le voyez, on est sur des longueurs à peu près de 30 mètres pour avoir des filets les plus efficaces, les plus efficients possibles. Et alors, un filet de pêche, c'est fait avec quoi? Alors, tous les filets de pêche sont des dérivés de nylon. D'accord. Là, vous êtes devant ce qu'on appelle un tramail ou trémaille. Une grande maille à droite, la même grande maille à gauche, une petite maille au milieu. Les grandes mailles ne sont ni plus ni moins que les portes d'entrée et portes de sortie du poisson. Regardez, supposez que le poisson soit ma main, le poisson arrive, il vise, si on peut s'exprimer ainsi, une porte, il pousse et avec sa vitesse, vous allez voir, il va entraîner avec lui le filet. Et il va former une poche. Sa propre cage. Quoi. Exactement. Il crée sa cage dans laquelle il vient s'enfermer. Le maillage du filet est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit, sinon on attrape trop d'espèces et on fait de la surpêche, c'est ça? Exactement. Nous, si vous voulez, par déontologie, nous, on s'interdit de fabriquer des filets avec des petites mailles, même si de temps en temps on est, comment dirais-je, courtisé. Ah oui, courtisé, ben oui, pour sûr. Que... Plus facile pour les pêcheurs. Donc je pense qu'il faut avoir certaines valeurs, surtout en tant que fabricant de filets. Patrick travaille dans son entreprise avec deux filetières, dont Nathalie, qui manie la navette mieux que personne. Est-ce que je peux essayer par hasard? Pas de problème. Alors, je passe de votre côté. Hop. Alors, je rentre mon aiguille ici. Voilà. Encore là et encore là. Voilà. Je tire la navette et là, je passe comme ça? À l'intérieur. À l'intérieur, comme ça? Non. Par le dessus. Par le dessus, comme ça. Comme ça. Hop. Qu'est-ce que c'est compliqué? Ça. Et dites donc, le patron, il y arrive, lui? Non. Ah bon, ça me rassure quand même. Hein. On n'a jamais testé à l'y mettre. Oh là 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 là. Bon, ben, Nathalie, je vais vous laisser travailler parce que moi, j'irai trop vite, donc ça va vous perturber. Merci, hein. Et bravo, parce que c'est un sacré boulot. Pour vous remercier de votre visite, regardez, tenez. Un petit souvenir de l'entreprise et du bassin d'Arcachon. Ah ben, ça va faire plaisir à mon petit garçon, ça. Tissé à la main, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh, ça c'est chic, c'est un joli souvenir. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci, très bon retour. Merci. Je vais être mignonne avec mes petites épuisettes là. Si je la laisse dépasser, je vais peut-être attraper des papillons. Dernier plat au menu de notre voyage sur le bassin, la bisque de crabe vert de Monique. Monique, elle est d'Andernos-les-Bains, on va y aller tout de suite. Et elle est partie ce matin nous pêcher des petits crabes verts, enfin j'espère, sur l'île aux oiseaux. Ça ne va pas être mal ça. Bonjour Monique, bonjour à tous. On a ramassé des crabes. D'accord, super, ben je vous rejoins tout de suite. Merci. Coucou Monique, je vous fais un bisou. Oh, bah dites donc, ça c'est nos crabes. Il y a de quoi faire une jolie bisque. Voilà. Hein. N'est-ce pas, hein? Et nous voilà, elle est jolie cette maison. Voilà. Magnifique. Vous prenez les crabes? Oui, 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 je les prends les crabes. Je passe devant? Allez-y. Allez, voilà. Vous m'ouvrez le chemin. Oh, voilà. Vous devez avoir du plaisir à cuisiner ici. On cuisine beaucoup. Monique commence par rincer les crabes à l'eau claire pour retirer les algues et l'eau de mer. Je vous laisse terminer. Ah, ils sont vifs, hein? Ah oui, oui, ils sont vifs. Là, voilà. Oh, vous avez la piscine? Ben oui. Oh là 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 là. Mais c'est l'été toute l'année chez vous, hein? Parce que... Et sans blague, Monique, vous allez vraiment découper les crabes en deux vivants, là? Regarde. Oh. Oh, après les bécasses, les crabes. Mais vous êtes sans cœur dans la région. Ah oui, ça c'est vrai. Alors non, expliquez-moi, sans blague, pourquoi faut-il les couper en deux? On ne pourrait pas les faire cuire direct comme ça? Ben parce que les sucres sortent mieux quand c'est coupé. Ah bon? Mais y a la on ne pourrait pas les écraser une fois? On pourrait, mais alors... Vous avez toujours fait comme ça? Non, j'ai toujours fait comme ça. Je suis médusée. Et alors moi, j'ai goûté ça en Asie. Ils adorent ces petits crabes mous. Oui. Qui effectivement, qu'on ne trouve qu'à une certaine saison. Oh. Ah, celui-là, il s'est mangé. Donc j'ai goûté ça en Asie où on trouve ces petits crabes mous et ils les font en beignets. En friture. Ah et on mange tout, la carapace, tout. Ah oui, mais ils sont très très bons. Ils sont peut-être un peu plus mous. Oui, parce que là, vous voyez, la carapace, c'est quand même assez dur. Hein. Ah non, je peux pas. Là, mes compétences s'arrêtent là, c'est trop cruel. Si je faisais les oignons. Une fois les crabes coupés, il faut émincer un oignon, couper 2 tomates, peler une gousse d'ail et ajouter une pointe de piment d'Espelette. Et alors, est-ce que vous connaissez l'origine de la bisque? Je pense qu'on dit bisque parce qu'il y a 2 cuissons. Comme une première cuisson, vous voyez, là, avec l'huile d'olive. Ouais. Ensuite, on met le bouillon, on fait recuire une deuxième fois. Ah, ça c'est malin. Comme le biscuit. La première phase de cuisson de la bisque peut commencer. Monique conseille de laisser mijoter les crabes 10 minutes. Bon, 10 minutes de cuisson, ça me laisse le temps de noter la recette. D'accord. Je vais chercher mon petit carnet. OK. Ben, moi, je vais chercher une spatule pour remuer. Voilà. Pour réussir la recette de la bisque de crabe de Monique, il faut 1 kg de crabe mou, un oignon, 2 gousses d'ail, du piment d'Espelette, 4 à 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive et 100 g de crème fraîche. Après la première cuisson, il faut flamber les crabes à l'armagnac avant de recouvrir le tout d'1 litre d'eau. Tu l'as chauffé pour que ça aille plus vite? Oui, voilà, j'ai chauffé pour que ça aille plus vite. Alors, vas-y, il faut que ce soit à peine recouvert pour pas qu'il y ait quand même... Voilà, presque à hauteur. Oui, voilà. Ça, voilà, là, on laisse mijoter. Tu laisses mijoter donc à couvert? Oui. Combien de temps? Bah pareil, 10 minutes. Tu vois, ça regarde. Ouais, ça y est, ça bouillonne. Après, on mouline et c'est fini. Trop fort, Monique. Laissez cuire de nouveau 15 minutes et une fois le bouillon terminé, on passe à une étape un peu plus délicate. Filtrer les crabes au presse-purée. Bah, je comprends. Moi, je le fais avec un homme dans la maison. Parce que, ah bah oui. Ah bah écoute, si tu veux appeler ton fils, on l'appelle. Hein. C'est vrai que là, on risque d'en avoir pour tout jour. Une opération qui demande un peu d'endurance. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, Pascal? Oui, bien sûr. Salut Pascal. Bonjour. Ça va? Bonjour. Allez, vas-y Pascal. Elle veut ménager les petits bras, Monique. Et tu vois la dernière fois... Oui, mais alors attends Pascal, parce que tu sais quoi? Ça ne peut pas se faire sans le petit ami. Tu veux le tablier, Pascal? Tiens. Ah non, je voudrais pas que tu le tâches. Voilà, ça manquait. Mais voilà. Alors là, vraiment, tu sais quoi? Ils vont adorer tes copains. Oh, j'imagine. Ah oui. Mais ils ont l'habitude. Oui, ah oui, oui. Pascal fait la cuisine, beaucoup de cuisine. Voilà, ah, tu vois. Ah oui, effectivement. C'est plus du tout le même tempo là. J'interviens que pour les travaux délicats. Ah, c'est vraiment une recette familiale, hein? Oui. Hop là. Mouliné avec amour. Voilà. Alors, la crème fraîche, on la mettra au dernier moment. Ah, parce que tu rajoutes de la crème fraîche. C'est plus onctueux, c'est plus savoureux. Mais au dernier moment. Au dernier moment, ah oui, oui. Ça marche. Au dernier moment. Tu te sens de prendre ça sur tes genoux? Après les crabes, la soupière? Allez, voilà, bah oui. Tiens, vas-y, Pascal. Et merci, Pascal. Et tu t'attaches à ton petit habillé. Et ils ont bien changé les rugbyman, hein? Oui, oui, c'est vrai. Salut, merci en tout cas. Allez, c'est parti. C'est à la cabane du Mimbeau, au fond de la Conche, que nous avons rendez-vous pour notre banquet. Ils ne sont pas échappés. Bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. Alors bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Denis. Monique. Monique, bonjour, voilà. Enchantée. Mais moi, je vous laisse. Je vais faire réchauffer la bisque. Bon, c'est une bonne idée. Avec un petit peu de crème fraîche. Hein. Oh, tout à l'heure. Ouais, voilà, ça va être comme ça. Hein. Denis est ostréiculteur. Il a complètement retapé ce petit coin de paradis et propose à ses convives de déguster ses huîtres sur sa terrasse. En tout cas, c'est gentil de nous accueillir. Oui, c'est avec plaisir. Il va y avoir du monde quand même, hein. Ben, vu le nombre de couverts, il n'y aura pas de monde, on n'a même pas peur. Et là, tu as une petite piscine. C'est une claire qui nous sert de stockage pour les huîtres qui sont finies. Après l'élevage, voilà, pour éviter d'aller chercher tous les jours au parc. C'est un réfrigérateur avec de l'eau. On les garde vivantes. On les garde, donc on les garde vivantes. Et puis surtout, elles sont à portée de main. C'est-à-dire que lors du service, ou quand, voilà, c'est un vivier. Alors, je sais qu'il y a des vrais équipements. Alors que Denis ouvre les huîtres, nos premiers invités arrivent déjà. Didier, le pêcheur de seiche, est venu avec un ami qui m'a réservé une surprise. Bonjour Didier. Bonjour Julie. Oh, c'est sympa d'être venu. Bonjour. Bonjour. Tu es venu avec un copain. Jean-Pascal. Eh bien, bienvenue Jean-Pascal. Et alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Des couteilles? Non, le caviar. Le caviar? Oui, il est producteur de caviar, notre ami Jean-Pascal. Ah, mais je ne savais pas. Eh oui. Producteur de caviar, mais ici alors, dans le bassin? Oui, tout à fait, oui, sur les bords du bassin, dans une commune qui s'appelle Biganos. Donc c'est le fameux caviar d'Aquitaine. Et là-dedans, c'est du caviar pour de vrai, là? Ah, pour de vrai, oui. Ah, oui, t'as bien fait de venir avec ton copain, tu sais. On va mettre ça au frais. Et puis, écoute, on a ce qu'il faut, hein. Ah, là, on a les copains, le caviar, les huîtres, la bisque, les bécasses et la sèche. Et la sèche. Eh bien, salut les amis. C'est un Macbelloc. Le voilà. On a Mais bien. C'est petit à petit que les autres convives nous retrouvent. Il y a Joël, notre chasseur, spécialiste de la bécasse, Philippe, le peintre épicurien et sa femme Marie, Joël, notre célèbre ostréiculteur et sa femme Élise. Regarde ce paradis qu'ils ont. Là, vous avez de la concurrence. Joël, c'est que j'ai voulu faire la maline en ouvrant les huîtres avec Didier. Et là, il me dit, alors, tu prends l'huître et tu commences à l'ouvrir par la pointe. C'est pas possible, faut vous mettre d'accord, les garçons. Non, mais on est au Cap Ferret, là. C'est des... c'est ça, c'est parce que lui... Ils font ça qu'en saison, ils font pas ça toute l'année. Non, non, mais ici, on fait ça proprement. Ils font ça qu'en saison. Tu sais ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit, mais moi, j'ai pas appris comme ça, il m'a dit, ah non, mais ça, c'est une méthode très locale. Alors, débrouillez-vous. Ah, mais elle n'est pas locale, c'est qu'ici, autour de la table, ça ne se pratique pas ailleurs. Alors, voilà comment on mange une huître. Moi, j'aime bien que les mecs théorisent, parce que pendant ce temps, on sectionne le nerf. Et on retourne. On ramène le mollusque et on retourne. Ah, tu retournes? Pourquoi tu retournes? Mais ça va glisser tout seul. Je tue. Ici, il n'y a uniquement que des Parisiens qui mangent avec une fourchette. Ici, non mais je t'en prie, hein, tu vas me parler meilleur. Je vois pas de qui tu parles. Parce qu'il faut couper le pied. Parce qu'il faut absolument manger le pied et pas de laisser. Vous êtes quand même les seuls au monde à vous prendre la tête sur comment ouvrir, comment manger une huître, fourchette, couteau. Sur comment la manger, on est tous d'accord. Avec un couteau, pour bien couper. On a mis combien de temps? On a mis 35 secondes pour les manger. Eh bien, on va pouvoir passer à autre chose. Eh bien, voilà. C'est bon. Bon, Denis, la femme, le de table, dans l'instant. Pas demain. Excusez-nous. Là, vous en voyez. Des seigneurs, on en a croisé. Mais des comme ça, rarement. Merci. Vous dites qu'il est affiné, mais comment on affine du caviar? C'est comme le vin rouge, il faut le laisser vieillir, il faut laisser faire le temps. Il paraît que ça se mange avec des couverts en acre, c'est ça? On a toujours entendu dire ça, mais pourquoi? En acre ou en corne. Le métal donne une oxydation au produit. Voilà. Et on a du bol. Bonne dégustation. Je vous demande un moment de recueillement pour la bisque de crabes qui ont subi une torture effrayante, sous les mains délicates néanmoins de Monique, qui a été les chercher ce matin sur l'île aux oiseaux. Et c'est pratique cette table pour le service, hein, Monique. Bon allez, on goûte tant que c'est chaud, hein. Ah Monique, c'est délicieux. Hein. Qu'en pensent les locaux? Monique elle est très bonne. Très bonne, elle est onctueuse. Vraiment? Elle est onctueuse. Ah, ouais. Non mais Philippe, il me dit, ça c'est de la vraie. Je sais pas ce que c'est de la fausse, mais ça là c'est de la vraie. Et ça c'est vraiment une recette locale alors? Ah oui. Parce que la bisque on en trouve un peu partout, mais deux crabes verts, ça c'est local. C'est maintenant à Philippe de nous faire découvrir sa recette de la sèche au poivron et à l'ail. Alors, oh, ça c'est somptueux, merci, là, magnifique. Comme on est tôt dans la soirée, on le sert froid. Je suis sûre que ce sera très bon, comme la ratatouille. Voilà. Et dis donc, c'est beau, on dirait un de tes tableaux. Oh, des tripes, ça de la gueule. Attention, attention, le chef Joël vous propose sa bécasse. Avec son rôti, évidemment. Oh là là, merci. C'est difficile à attraper, Manu Joël. C'est superbe. Et alors pourquoi on le mange? Il faudrait le laisser en même temps. Parce que c'est superbe aussi. Parce que c'est très bon et très bon, ça fait les deux. Bon, Joël a mis les doigts, je peux y aller. Hein. C'est une obligation, Julie. C'est le chef d'orchestre. Alors comment vous trouvez cette petite bécasse? C'est un repas de roi qu'on fait là. On a dit qu'on pouvait mettre un doigt. On fait un repas de roi. Dégustez donc nos huîtres fraîches, accompagnées d'un bon vin blanc, et vous n'aurez aucune peine à vivre mieux jusqu'à 100 ans. Et voilà encore un incroyable moment de convivialité. Et la preuve, si on en avait besoin, de la capacité de la nourriture à réunir, à partager, à découvrir. Nous, on va continuer notre découverte, ensemble j'espère, des terroirs de France, de ses spécialités, de ses recettes, de ses savoir-faire. Et Micheline et moi, on vous attend pour la suite. Salut! En chantant ce guet refrain, où est le vaccin? Nous respirons un air pur qui nous grise. Et quand sur l'eau, joyeux nous naviguons, nous comprenons ce que chante la brise. Quel bijou, le bassin.